بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، شفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ramadan, on est le 29 aujourd'hui. 9e mois islamique, 1443 ans de Hijra, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque et est parti Médine. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 30, 4e mois, l'an 2022. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir sur votre Nissa. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 25. Allah subhanahu wa ta'ala, là où il nous dit, Waman la yastati minkum tawla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنة منكم وأن تصبروا خيرا لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى ينادي ومن لم يستطع منكم طولا أصليك نبال الموعي أن ينكح المحصنات دماري المحصنات لفهم qui sont les femmes dignes, mu'minati, qui sont les femmes croyantes. Si tu n'es pas moyen de marier une femme digne, c'est-à-dire n'est pas esclave, et encore elle est croyante, tu n'es pas moyen de marier une femme comme ça, famille malakat aïmanikum. Là, il faut aller marier maintenant malakat aïmanikum, ceux qui sont vos servantes. Même dans les servantes, là aussi, il faut marier celle qui est fatayati. Elle est jeune, encore elle est croyante. Wallah, lui, Allah a alarmé imanikum. Il est plus connaisseur des degrés de votre foi. Ba'atukum min ba'adi, chacun d'entre vous, les hommes et les femmes. Fangibu hunna, Allah dit marier les femmes qui sont vos servantes. Mais bi'izni ahlihinna, mariez-les avec l'autorisation de leur patron. Wa'atuhunna ujurahunna, donnez leur ujur, leur dot, bil ma'arufi, dans les bonnes conditions. Avant que tu vas la marier, on va regarder quel est sa degré. C'est la degré là qui va faire de connaître combien de dot qu'on va donner celle que la servante. Mursonati. On t'a dit de marier servante, si tu n'as pas moyen de marier une femme digne, croyante, de marier servante. Parce que Mursonati, pour se protéger contre la fornication. Il ne faut pas être marié la femme qui est Mursafihati, la femme qui fait la fornication. Non. Allah dit voilà, Mutahizati Ahlan. Et ne prenez pas la femme copie. Vous êtes là. Au pire, caché en train de faire zina et sans le mariage. Allah dit ne fait pas ça. Vous avez compris? Allah dit voilà, mutahiza dit ahlan.
ne les prenez pas comme des copines. Vous êtes là, vous vivez dans les calumas, vous faites les zinas sans mariage. Allah dit, ce n'est pas autorisé. Allah dit, Faïza Oxina. Celui qui est déjà marié parmi les esclaves, il est déjà marié. Faïn Ate, il a mis Faïsha. Si parmi les esclaves mariés, qui a fait les zinas, Fa'alehina, Nisouma, Alel Moussana, Timir Al-Hazan. On va lui faire moitié des châtiments qu'on va faire quelqu'un qui est dit, qui n'est pas esclave. Avant-hier, on a dit un musulman marié, un non marié, s'il a fait la fornication, on va lui faire comment? On va lui fouetter sans fouet, des prisons de 1 an, ou bien c'est pas ça. Maintenant, celui qui est esclave, si on dit moitié, ça fait combien? Ça fait 50 foulons. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Ça veut dire que celui qui est esclave et il est marié, s'il a fait la zina, on lui fait le châtiment moitié de celui qui n'est pas esclave. C'est ça que Fa'alehina Nisfuma Alel Moussonati, Min Al Azab, le châtiment qu'on va lui faire. Ça, les Kaliman Hashiyala Anatan Minkum. On vous a dit de marier les servantes, Allah dit à celui qui a peur, Hashiya, il a peur, Allah Anna, hein, Allah Anata, Anata Minkum, celui qui a peur de Anata Minkum, d'être coincé. Tu n'as pas moyen de marier une femme qui, toi aussi tu ne peux pas supporter, tu as envie, tu as les désirs des femmes. On dit là, il faut profiter avec une esclave pour la marier. C'est ton servante. Parce que tu as peur de quoi? Anata. Anata ici, tu es serré. Tu n'as pas moyen, tu ne peux pas rester, tu as envie de faire rapport avec une femme. Or qu'on ne veut pas que tu fais là, là il faut profiter avec ton servante. Mais Allah dit wa antasbiru. Mais si vous pouvez patienter, khayrou lakoum, de ne pas marier une esclave, une servante, de marier une femme digne, Allah dit c'est ça qui est plus meilleur. Ici on est arrivé maladie de l'Afrique de l'Ouest. Allah dit si vous pouvez patienter, de ne pas marier une femme qui est esclave, de trouver un moyen pour marier une femme qui est digne, Allah dit khayrou lakoum, c'est ça qui est meilleur. Parce que, à l'époque, quand il y a l'esclavage, quand tu vas marier une femme esclave, maintenant tous les enfants qui vont, elle va faire, c'est des esclaves. Est-ce que vous comprenez bien? Tant que maman est esclave, tous les enfants qu'elle va faire, les enfants sont esclaves. Tu as jeté tous tes enfants dans l'esclavage. Voilà pourquoi on refuse de ne pas marier une esclave pour marier une femme digne. Mais il n'y a pas moyen. Une femme digne, tu n'as pas moyen, ça coûte cher. Mais un esclave, c'est moins cher. Or que toi aussi, tu ne peux pas rester sans la femme. Anata, tu n'as peur. Si tu as peur de ne pas rester, tu sois coincé. Alors, il faut profiter avec un esclave. Wallahu ghafur rahim. Allah, il est pardonné. Il est l'éternel miséricordieux. On revient sur le verset. Allah dit, Oman, la miesta, qui est pour Taoula. Celui qui ne peut pas, qui n'a pas le moyen. Moyen de mariage. Des dépenses de mariage. Comment tu vas doter? Comment tu vas t'occuper de la femme? Comment tu vas trouver là où elle va dormir? Ses habillements, son logement, tout. C'est ça qui est Taoula. Aliyan Kihal Moussana a dit de marier une femme qui est digne. Moumina a dit encore, elle est croyante. Mariage, on veut quand tu veux marier, il faut marier une femme qui est digne. Et il faut marier une femme qui est croyante. Le mot digne, c'est-à-dire, elle n'est pas esclave. Celle qui n'est pas esclave. C'est ça où je dis, une femme qui est digne, elle n'est pas esclave. Et encore, elle est croyante. C'est les deux choses à combler. Et il a dit, si tu n'as pas moyen de marier une femme digne qui est croyante, il n'y a pas moyen. Maintenant, tu as fait comment? Famille, maman, la tête, aïmane, comme. Il faut marier les esclaves qui sont dans votre main. Les esclaves qui sont là, il faut profiter avec eux, tu vas les marier. Même parmi les esclaves, aussi, Allah dit, quand tu veux marier, il faut regarder esclave jeune fille, encore qui est croyante. Toujours croyante. Toujours, on veut que tu vas marier la femme, il faut marier la femme qui est en croyance. Cherche celle qui est digne. Elle n'est pas esclave. Mais dans les cas où tu n'es pas moyen, là-bas ça coûte cher. Tu n'es pas moyen. Là, il faut marier celle qui est esclave.
Parmi les esclaves aussi, il faut trouver une jeune fille, encore celle qui est croyante. Wallahu a'lam bi imanikum. Allah dit, il connaît le degré de votre foi. Ba'adukum ba', les hommes et les femmes. Maintenant, les esclaves, là, quand tu veux les marier, ce n'est pas parce qu'on est des esclaves, tu vas aller lui prendre des poses en même temps qu'elle devient ma femme. Chaque esclave, il a son patron. Allah dit, fanqihuhunna. Mariez ceux qui sont les esclaves là, mais bi'izni ahadihinna. Il faut les marier avec l'autorisation de celui qui est son patron. Il faut que son patron va accepter. Mais si tu lui prends, aller rester avec elle sans autorisation de son patron, vous êtes dans les fornications. Son patron doit accepter. J'accorde mon esclave que tu vas la marier. Et maintenant, Allah dit wa'atu unna ojura unna. Donnez leur dot. Belma arufi, dans le bon sens. Tu vas la regarder. Peut-être que c'est une esclave, elle est belle. Encore, elle est quelqu'un qui connaît Allah. Elle a mémorisé des Coran. Elle connaît l'adoration d'Allah. Tu as vu, selon sa valeur, c'est comme ça que tu vas l'adopter. Même les femmes qu'on dote là, il y a qualité, qualité, c'est pas. Toutes les femmes, leurs dotes ne sont pas pareilles. Il y a mariage, certains mariages, obligatoirement, tu ne veux pas, ça va coûter cher. Est-ce que vous comprenez? Certains mariages, tu veux, tu ne veux pas, il y a des dépenses. Ça va de ça, à cause de ça, toi, quand tu vas rentrer, il faut se rentrer là où tu sais que tu vas rentrer. Aujourd'hui, quand tu vas aller marier, quelqu'un qui a amené son enfant, il a mémorisé le Coran, sa fille a mémorisé le Coran, sa fille connaît Hadith, il a montré sa fille Sunna avec dans les hijab, Masha'Allah, elle ne fait pas les désordres, papa a su de sa fille. Il ne peut pas la donner comme ça gratuitement. Même s'il veut donner gratuitement, il va trouver l'homme qui est l'homme digne. Il sait que lui, là, c'est l'homme d'Allah. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme ça. Car Allah nous facilite. Pour cela, mariez-les dans l'autorisation de leur patron. Et il a dit, Mursonati, Gaïra Moussafihati. Mariez les femmes qui sont Mursonati, qui sont les femmes vertueuses, qui conservent leur corps. Ils ne font pas n'importe comment. Gaïra Moussafihati. Pas ceux qui font les zina n'importe comment. C'est à cause de ça, avant de marier, même les esclaves, on dit qu'il faut regarder celles qui ne font pas n'importe comment. Même si c'est parmi les dignes, c'est plus fort. Aujourd'hui, les gens veulent marier les femmes, ils s'en foutent. La femme qui fait n'importe comment, tu vas aller la prendre. Non. Avant de marier une femme, il faut connaître. Ce n'est pas bon. Tu sors avec ta femme, quelqu'un montre le doigt et hier, c'était mon truc. Vous voyez, zina, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Allah dit wala mutahizati ahadan. On ne veut pas que les gens se prennent copain et copine entre eux. En train de faire les fornications, il n'y a pas mariage. Tu as vu ici, on a dit qu'il faut marier une femme qui est digne, croyante. Mais s'il n'y a pas moyen, Allah dit va faire la fornication. Il a dit là, il faut marier celle qui est quoi? Esclave. Esclave, là aussi, il faut trouver celle qui est quoi? Jeune, encore croyante toujours. Parce qu'on ne veut pas dire. Dans les hadiths, même le prophète a dit, vous les jeunes, ya ma'ashara shabab, vous les jeunes, manis tota amin kumba'a, celui qui peut faire le bas, qui peut prendre les responsabilités de la femme. Nourrir la femme, loger la femme, habiller la femme, satisfaire la femme. Ce parti-là, j'ai dit à le faire, attention, toute personne qui sait qu'elle ne peut pas satisfaire une femme, il ne faut pas marier. Va te soigner d'abord. Beaucoup d'aujourd'hui mariage, le problème c'est là. Est-ce que vous comprenez bien? Va te soigner. Même si tu as marié, tu es en bonne santé, un moment, ta femme commence à plaigner que ça ne la satisfait pas. Lève-toi pour soigner. Faut pas l'insulter qu'elle est bordel ou elle est quoi. Va te soigner. Aujourd'hui, il y a des médicaments, on peut guérir l'homme simple. Soigne-toi. Parce que ça, c'est un droit qui fait partie du mariage. Le prophète a dit, celui qui peut prendre charge des femmes,
Il a dit il fallait être zawa, il n'est qu'à faire le mariage. Hein? Je ne l'ai pas dit faux parti. Laisse ton petit soeur de l'entrée. Le prophète a dit, Marie, as-tu pu garder la femme? Il a dit, celui qui n'est pas moyen, il va faire comment? Le prophète a dit, allez, il dit ça. Il n'est qu'à gérer. C'est à cause de ça, les jeunes qui n'ont pas le moyen pour marier, même Ramadan va finir là, lundi, jeudi, 13, le mois de Ramadan islamique, 14, 15. Ne blaguez pas avec les jeunes. Cet jeune-là, les jeunes comme ça, là, ça va vous aider, ça va vous conserver votre désir. Vous ne tombez pas dans les zinas. Parce que quelqu'un tombé dans les zinas, ça gaspille tout ton avenir. Beaucoup aujourd'hui qui sont tombés aujourd'hui, c'est la cause des zinas. Zina que vous voyez là, c'est une bombe. Ça demande, ça dépasse même bombe de Corée du Nord. Wallahi. Malheur que zina amène dans la vie de l'homme. Si vous connaissez, celle qui nous a créé, c'est pas là. Qui connaît le bien et le mal, c'est qui, c'est pas là. Mais pourquoi Allah a utilisé les termes là, tant hein? Aujourd'hui, les Blancs, ils ont fait quelque chose sur la route là. On a écrit là-dessus, on a levé squelette de l'homme. On dit attention. On a dit attention, n'approchez pas. Tout le monde passe loin. Même si tu es avec ton enfant, tu le fais passer. Et lui-même, Allah qui nous a créé, a dit attention, n'approchez pas. Mais pourquoi le monde prend approche? Ce moment, quand tu vas approcher, ce n'est pas parce que quand tu vas approcher, Allah va t'attraper en même temps comme ça, non? Mais Allah va te fatiguer tranquillement. La manière qu'on dit guerre froide. C'est-à-dire, Allah te fatigue en bas, mais tu ne connais pas que ces conséquences des zina. Zina, ça amène la pauvreté. Zina, ça amène que tu vas mourir vite. Zina, ça va faire qu'un moment, tu appelles Allah, il ne répond pas. Zina, ça lève le barca dans ton travail. Zina, ça gaspille ta famille. Zina, ça va faire que toi-même, tu n'es pas honnête. Personne ne te respecte pas. Les conséquences des zina, c'est pour vous. C'est à cause de ça, le prophète a dit, celui qui n'est pas le moyen, il n'est qu'à gérer. Le jeune, là, ça fait bien, ça conserve l'homme. Allah dit, voilà, Moutahiza a dit, voilà, Moutahiza a dit, ne vous prenez pas l'un l'autre des copies. Allah dit, mais parmi les esclaves, Faïza Oursina, parmi les esclaves mariés, celui qui est marié, Faïn a atteint une vie farichetine. S'il a commis la fornication à Zina, Faaleïna, il a souni, Nispouma à l'almine al-Moursana à Timin al-Hazab, il a moitié des châtiments que celui qui est marié dit, il va subir. On a dit, l'homme musulman qui est dit, s'il a marié, il a fait, il n'a pas encore marié, il a fait les zina. On va lui faire châtiment de quoi? Sans fouet, un prison, un an de prison. Mais celui qui est marié, il a fait les zina. Avec les épreuves appuyées là-dessus, on lui lapide jusqu'à la mort. Maintenant, ici, on a dit qu'il a moitié des châtiments de celui qui est marié. Les savants, ils se sont changé les idées. Est-ce que Thierry, il y a la moitié de Thierry? Hein? Thierry, c'est Thierry. Il n'y a pas moitié de Thierry. C'est à cause de ça. Maintenant, si on a dit qu'il a la moitié des châtiments de celui qui est marié, dit. Si c'est les fouets, on sait que c'est 50. Parce que l'autre c'est 100, non? Pour lui c'est 50. Prison aussi c'est 1 an. Pour lui ça fait combien? 6 mois. Maintenant tu es lui, on fait comment? Les savants ils ont changé les idées. La tuerie, on fait comment? Il n'y a pas moyen qu'on va tuer la moitié. Si Allah avait dit on devait lui couper les deux bras, là on peut dire que non, comme il n'y a pas. Et l'esclave, là, on va couper un seul bras. Mais ils ont dit tuer. On va lui lapider jusqu'à le tuer. Maintenant, lui, il est esclave. On dit là la moitié. La tuerie aussi, il n'y a pas moitié. C'est à cause de ça, un esclave marié, non marié, s'il a fait les zina, c'est 50 fouets. Lui, il n'est pas lapidation. Vous avez bien compris?
Je dis bien un esclave. S'il a fait zina, marié ou non marié, son châtiment c'est quoi? 150 fouets, c'est fini. Avec 6 mois de prison, c'est fini. Mais tuer un esclave, on ne le tue pas. Mais c'est celui qui dit, on va les lapider jusqu'à la mort, car là, nous préserve. Il a dit ça, on vous a dit de marier les esclaves, c'est à celui-là qui a peur d'être coincé. Coincé ici, il a besoin des femmes. Vous savez, c'est un désir. Quand ça va te quitter, même sommeil, là, il n'y a pas. Tu ne dors pas. Ton passé, tu as besoin des femmes. Délire, c'est autant de Oumar ibn Khattab. Oumar a envoyé les Sahaba à la guerre. La nuit, Oumar il sécurise leur maison. C'est-à-dire, il vérifie leur maison la nuit. Voilà un chef. Voilà un bon président. Il ne dort pas. Lui-même, le chef, il sécurise une maison de ceux que les combattants qu'on a envoyés à la guerre. Il arrive à côté de la maison, il attend une femme qui est en train de chanter la poésie. En pleine nuit, dans son chanson, elle dit que aujourd'hui là, si mon mari était là, le mur de notre maison là devait nous sentir. Il devait connaître qui est qui, c'est moi ou bien c'est mon mari. Dans son poésie qu'elle chante, tu sens en même temps que c'est une femme qui a désir d'un homme. Le lendemain, Oumar est parti chez sa fille, la femme du prophète Mohammed. Il a demandé, Hafsa, il a demandé, il dit, toi, combien de temps une femme peut rester sans son mari et elle n'est pas désir d'un homme? Elle a dit, c'est 4 mois. Une femme peut rester 1 mois s'il n'y a pas l'homme. 2 mois, il n'y a pas l'homme. 3 mois, il n'y a pas l'homme. 4 mois, il n'y a pas. Mais en dehors des 4 mois, maintenant tout ce qui suit, c'est la haoula, voilà, pour votre soeur. Elle a besoin de nous. Oumar a dit, bon, maintenant, à partir du moment où Oumar est venu, il a mis la loi. Toute personne qu'on envoie à la guerre, dès qu'elle a fait 4 mois, il revient et l'autre va aller lui changer. Il vient de ça avec sa famille. Bon, maintenant, regardez où notre bandit là. On a fait 4 mois. On t'attend ici. Je suis là, je te regarde. Car la facilité, car l'âme donne le moyen. Tout ça qu'on parle, si nous faisons droit, demander à Allah, il ne peut nous donner la richesse. Mais si on demande aussi, il ne faut pas qu'on s'assoie, on n'a qu'à bouger. Ou bien, ne négligez pas le travail. Ce n'est pas le travail qui donne l'argent. L'argent, c'est Allah qui donne. Allah dit que qu'on bouge le corps seulement. On n'a qu'à avoir les causes. Est-ce que vous me suivez? Le moment que j'étais étudiant, je partais chez mon père au Ghana pour aller les visiter dans les vacances. J'ai l'habitude, quand je pars au Ghana, je passais par Boko, vers nord du Togo, vers Saint-Cassaba. Je passe par Boko, Widana, Boko, allez. Mais cette fois-ci, j'ai dit que je vais passer par Kelpendi, Yandi, allez. Je suis passé par là, à ceux qui connaissent. J'arrive dans le pays Ghana, là où on appelle Yandi. Vous savez, Ghana, c'est un pays qui est mouvementé. Ghana et Nigeria, c'est un pays qui est mouvementé. C'est à cause de ça, tu vois, au Ghana, on dépose la voiture qui prend, les cars qui prend 70 personnes. Ça ne fait pas une étincelle, c'est déjà rempli. C'est comme ça, ça rempli comme ça, vite, vite, vite. C'est mouvementé. Bon, nous sommes là, station, on attend que la voiture arrive. Moi, je suis allé à sa côté. Je vois un monsieur. À l'époque, il n'y avait pas les CD. Il y avait les cassettes. Vous connaissez les cassettes, non? Lui, son travail, c'est les cassettes. Vous savez, cassettes, c'est les trucs qui sont dedans, non? À un moment, ça va, ça renverse. Ça, lui, pour lui, si c'est coupé, il colle. Si c'est tourné, les chansons, il a le moyen, il va arranger, ça devient comme neuf. C'est ça qui est son travail. Je suis là, j'ai les gars, j'étais. Ah. Bon, en tant qu'un étudiant, toujours tu dois observer pour trouver moral.
Quand tu es étudiant, on ne regarde pas parce qu'il faut regarder. On n'écoute pas parce qu'un étudiant, tu es là à chaque moment. Tout ce que tu vas écouter, regarder, il faut que tu trouves le son qui va te soutenir dans tes études. C'est comme ça qu'on dit un étudiant. Je suis en train d'observer ce monsieur. Jusqu'à je n'ai pas pu résister, je suis allé, j'ai dit salam alaikum. Il a dit salam. Je dis papa, moi je suis ton enfant, je vais te poser des questions. Il a dit cela. J'ai dit c'est ça qui est ton travail. Il m'a dit oui. Lui, ça fait depuis 12 ans qu'il est dans ce travail. Lui, il a 2 femmes et il a 8 enfants. C'est avec ça laquelle il est nourri. Travail là, il dit oui. Est-ce que vous connaissez ce que je. Non, cassette que je parle. Et vous là, comment vous nous allez imaginer? C'est-à-dire, ce n'est pas le travail qu'il donne. Il faut accepter. Il faut mettre sincérité sur ce que tu fais. Avant, quand on a fini ta soupe, je partais avec mes frères qui m'amènent dans leur voiture. Je les ai dit, le prophète a dit un commerçant, quand tu fais la commerce, honneur, il faut honorer ta commerce. C'est comme ça que le prophète a dit. Il faut honorer ta commerce. C'est-à-dire, il faut décorer ça. Il ne faut pas faire commerce. Toi, tu es sale, la place est sale. Tu dis, non, arrange. Un moment même, les choses qu'on vend 25 francs, selon la manière que tu vas arranger, mais tu peux vendre ça 100 francs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? Il y a des cafettes. Quand tu vas arriver, c'est 500. Tu prends les cafés. Le pain vert. Mais il y a des cafettes, même pain vert, ce n'est pas 500. Ça dépend de comment on a organisé. Et même certains même dépassent 800. Quand tu pars à l'aéroport, là, dans l'aéroport, là, on prend les cafés là-bas. Va prendre les cafés, on va te dire les prix là-bas. Kabako. C'est pas comme on dit, oh. C'est-à-dire, le prophète a dit honorer le travail. Ne négligez pas. Tout travail que tu fais, mets considération dedans. Voilà, quand tu mets considération. Ce n'est pas grand travail. Les gens pensent qu'il faut vendre des bijoux. Il faut. Non, ce n'est pas ça qui donne l'argent. L'argent, c'est là qui donne. Avec le moment, avec le temps, avec comment il veut. C'est à cause de ça qu'Allah donne l'argent. Amen. Je viens de demander qu'on n'ait qu'à demander à Allah l'argent, on n'ait qu'à travailler. Pourquoi je dis ça? Beaucoup qu'on parle qu'ils sont dans la voiture, ils n'ont pas à regarder ses familles. Ce n'est pas parce qu'ils sont contents. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser sa femme. Un an, 10 ans, il est content. Il n'y a pas. On n'a rien pas. Il aime sa femme. Mais c'est la difficulté, papa. On a, c'est la difficulté. Ce n'est pas la joie, c'est la difficulté. Voilà pourquoi on manque à la facilité pour nous tous. Vous dites amis. C'est à cause de ça, là, dit celui qui sait qu'il est coincé, il a envie de femme, là, il faut marier une servante. C'est ça que le manhashia a terminé. Maintenant, Allah dit wa antasbir. Si vous pouvez patienter. De ne pas marier une esclave, de marier une femme digne. C'est ça qui est Wahantaspiru. De marier une femme qui est digne. De ne pas marier une esclave. Jusqu'à maintenant, tu as vu Allah en train de nous conserver notre quoi? Notre dignité. On ne joue pas avec une dignité. Est-ce que vous comprenez bien? Allah dit celui qui peut patienter, de ne pas marier une femme esclave. Pourquoi? On ne veut pas que tu vas marier une femme esclave. Parce que quand tu vas marier une femme esclave, le temps d'esclavage que je dis bien, tous les enfants qu'il va te faire, ils sont des esclaves. Tu as jeté toute ta famille dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as marié une femme qui est digne, tous les enfants que vous faites maintenant, ils sont dignes. C'est ça là du Wahantaspiru. Si tu peux patienter de ne pas marier une esclave, khayrulakum, c'est ça qui est meilleur pour vous. Wallahu lui, Allah Gafurun Rahim. Allah. Il est gafour, le pardonner, Rahim, le très miséricordieux. Moi, je pense que c'est comme ça que nos parents ils ont compris. Et West Afrique, jusqu'à maintenant, vous voyez que si quelqu'un est esclave, il vient demander la femme, on dit on est libre. C'est-à-dire, si ses parents ils étaient des esclaves, autant aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage. C'est le nom qu'elle a. Mais nous, l'entrée aujourd'hui, jusqu'à maintenant, chez nous, ceux que leurs anciens temps, ils étaient des esclaves. Si tu viens demander les autres qui n'ont pas les esclaves, dis non, toi un esclave, comment tu peux marier une femme qui n'est pas? Il y a ça jusqu'à aujourd'hui. Bon, est-ce que cet esclavage de chez nous là, c'est venu comment? Parce qu'avant que quelqu'un devienne ton esclave, c'est à travers de la guerre. Vous avez fait la guerre, vous les avez
captifs, ils sont devenus des captifs comment? Il ne comprend pas. Qu'Allah nous pardonne. Wallahu ghafuru rahim. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله الله ليبين لكم دي vous éclaircir. Allah tout ce qu'il vient de dire, tu dois marier une femme qui est digne, qui est croyante. Mais si tu n'as pas moyen, il faut marier celle qui est une esclave, mais une jeune et qui est encore quoi? Qui est croyante. Tout ça là, il a expliqué le yubayyin alakum. Allah nous veut qu'il va nous expliquer tout de connaître. Wa yahdiyakum, il va nous guider. Sunan, ça c'est la route. Et il va nous guider à Sunan. Soit du Sunan ici, c'est la route. Allez-y, il amène Kablikum. Il va nous guider sur la voie des vertueux qui sont avancés avant nous. Et Wayatouba alaykum, Allah veut qu'il va nous pardonner. Wallahu lui, Allah, Alimun, il est le connaisseur. Hakimun, il est le plus sage des sages. Non. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله لي الله يريد أن يتوب عليكم. الله لي son objectif c'est comment il va nous pardonner. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Mais ceux-là qui sont là, les désirs les a convaincus qu'ils sont devenus des esclaves du diable. Et ils veulent entamer que vous qui sont des croyants, qui vous observent là, et qui vous tient de ne pas tomber dans les zina, et ils veulent entamer nous. Ils veulent que vous vous allez pencher à leur côté, mayran azima, pencher à leur côté clair. C'est-à-dire, tous les gens qui font les zina, ils veulent que toi aussi tu viennes les rejoindre. Ceux qui boivent à l'école, ils veulent que toi aussi tu viennes boire à l'école. Les tueurs, ils veulent que toi aussi tu deviennes tueur. C'est ça qu'il a dit au Yuridou Nazil et Tabiou le Shahwati. Ceux-là qui sont Shahwati, leur désir, ils veulent que tu sois avec eux. Il ne faut pas céder. Sois fort, sois digne, sois honnête, entre-toi et Allah. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Les jeunes, les autres qui sont les bandits, ils veulent que vous, qui sont en train de faire l'effort là, ils veulent que vous soyez comme eux. Vous allez prendre les chambres comme eux, dans l'école comme eux. Les braquages comme eux, le vol comme eux, les fornications comme eux. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Ceux-là qui suivent les shahawati, les désirs, Shaitan les a, ils sont devenus des élèves de Shaitan. Ils veulent que en tamil ou mail en azima, vous allez vous écarter sur eux et vous deviendrez comme eux. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَكْفُرُونَ فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ceux qui ont mécru, veulent que vous aussi, vous allez mécru, on devient égal. Est-ce que vous comprenez bien? Ça vous allez voir. Les koufars, quand musulman, tu es sincère dans ton islam, on te dit que non, tu es mauvais. On te dit qu'il est méchant. T'es là, il est méchant, il ne vit pas avec les gens, il ne sourit pas avec les gens. Mais un musulman bandit qui boit la paix avec eux, il drague les femmes avec eux, tu vas voir qu'il dit, ah, c'est un bon musulman. Ça, c'est un bon musulman. Quand tu attends qu'un kafir dit que c'est un bon musulman, il faut vérifier. Est-ce que vous comprenez bien? Ceux que vous buvez le bien avec eux, vous faites les banditismes avec eux, c'est comme ça. Car elle nous pardonne. C'est à cause de ça. Ici, Allah ne veut pas que quelqu'un va tomber dans les péchés. C'est à cause de ça, il a dit, si tu n'as pas moyen de marier une femme digne, là tu peux marier une femme qui est quoi? Esclave. De ne pas tomber dans les zina. C'est ça, il a dit, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah lui veut qu'il va nous pardonner. Mais on lui dit les villes et tabou les shahwati. Mais ceux-là qui suivent leurs désirs, ils sont devenus des esclaves de Shaitan, en tabou et en azima.
Aujourd'hui, que sont les occidentaux? Ils appellent les gens en quoi? Ils appellent les jeunes envers les zina. Ils appellent les gens envers les zina. Si quelqu'un veut marier deux femmes, on dit que ce n'est pas bon. Celui qui a marié trois femmes, on dit que ce n'est pas bon. Si tu as marié quatre femmes, chez Dieu, tu es criminel. Même si tu as marié une seule femme, mais tu as des copines, même dix, il n'y a pas de problème. Chez Dieu, c'est halal. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est bonne attitude et c'est mauvaise attitude. C'est mauvaise attitude. C'est-à-dire, tu restes avec une seule femme. Même si tu as des copines 10, il n'y a pas de problème. Et c'est là où ça dit, on ne veut pas attendre l'affaire des copinages. Non, on ne veut pas. Il faut marier deux femmes. Ou trois femmes, ou quatre femmes, si tu peux être juste. Mais si tu ne veux pas être juste, il faut rester avec une seule. Et toujours, il faut demander à Allah de ne pas tomber dans la voie des chinois. Allah pardonne. Non. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله Allah veut أن يخفف عنكم. Allah veut nous faciliter. Il ne veut pas que ça soit lourd, il veut que ça soit léger. خفف de nous faciliter. C'est à cause de ça il a décidé de ne pas l'argent de marier une femme digne. Et qui est croyante, il faut marier celle qui est esclave, jeune, croyante. Il t'a autorisé de marier esclave, c'est pour nous faciliter. Dans toujours, Allah veut les faciliter. Ça veut dire cette facilité, même ça arrive jusqu'à si un musulman, l'homme, ton amour est parti tomber sur une femme chrétienne, il n'y a pas moyen. Tu peux la marier, elle fait sa christianisme, tu fais ton islam. Mais c'est un danger pour toi, mais ça n'est pas interdit. Mais est-ce que c'est tous les musulmans? Parce que si ton akida n'est pas bon, aujourd'hui il y a des femmes qui vont te tirer, tu vas devenir pasteur. Hein? Mais l'islam a autorisé. C'est pour faciliter. Avant, quand on faisait le ramadan, jusqu'à les 30 jours, même la nuit, tu n'es pas droit d'approcher ta femme. Au début, le ramadan c'était comme ça. C'est après que Allah dit, il a facilité. Fala'ana bashiru unna wa bataku ma kataballahu lakum wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Allah dit, à partir de maintenant, quand vous coupez le jeûne, fini, vos femmes deviennent halal la nuit jusqu'à l'eau. Allah nous a fait quoi? Faciliter. Le jeûne, il a dit gêné. Mais celui qui est malade, il faut laisser. Après, tu vas payer. Celui qui est voyageur, il y a la souffrance, il faut laisser. Après, tu vas payer. Les vieilles mamans, les vieilles papas qui sont vieux, ils ne peuvent pas laisser. Si vous avez moyen, nourrir. Si vous n'avez pas moyen, Allah vous a pardonné tous. Tu as vu, l'autre verset, il a dit Yuridullah, Dieu, comme le Yusra. Ici, il a dit Yuridullah, Aïn Yuhafifa. Allah veut nous faciliter, que ça soit léger pour vous. Allah dit, j'ai créé l'homme. L'homme, il est faible. Surtout, la faiblité de l'homme, c'est des choses. Au niveau de la femme, au niveau de l'argent, l'homme, il est faible. Le prophète Mohammed, il a dit, tout le umma, ils ont leur fitna. Et ils ont leur fitna. Mais le fitna de son umma, c'est quoi? L'argent. Dans un voyage aussi, les femmes. Si on dit dunya, c'est l'argent qu'on appelle dunya. Craignez conséquences de dunya. Si on dit dunya, c'est l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu es dans le dunya même? Dunya, c'est quoi? Il n'y a pas là. Hein? Et craignez la femme. Tout le problème, l'homme que tu vois là, au niveau de l'argent, il est faible. Tu vas voir quelqu'un, sa parole, il y a iman. Ses habillements, il y a iman. L'adoration, il est devant. Mais au niveau de l'argent, tu vas voir sa faiblesse. Quelqu'un aussi, tu le vois comme ça avec iman. Mais au niveau de la femme, il est faible. Cela n'est pas exclu sa foi. Hein? C'est là même qui a dit, « Wahou le kal insana dhaifa. » Imam Bukhari a dit, « Aïe fi amru bisa. »
C'est tout sur l'affaire de quoi? Comme Allah, il sait que l'homme, il est faible au niveau de la femme. Et là, il a dit, si tu n'es pas moyen pour marier une femme croyante digne, là, on t'a autorisé de marier celle qui est esclave, croyante, jeune. Afin que pour conserver ton quoi? Ton désir. Sinon, tu risques de tomber. Si on t'interdit le désir, tu vas tomber dans les îles. Obligatoirement. Prophète Moussa, le moment que le prophète est monté au ciel, Allah l'a appelé. Il est parti, on l'a donné 50 prières quotidiennes. La prière que nous faisons là, ce n'était pas 5, c'était 50. 50. 50. 50 dans son rat. Prophète, en retournant, il a rencontré son grand frère Moussa, par Ismaïl. Moussa dit, qu'est-ce que Allah t'a donné? Il a dit, Allah m'a donné avec ma communauté 50 unités de prière. Moussa dit, 50 unités. Pas demander à la faveur de Dieu, Dieu. Vous ne pouvez pas. Moi, avec mes gens, Dieu nous a éprouvés, on n'est pas pire. Et tes communautés sont plus fermes que mes gens. C'est comme ça, Moussa dit, toi, prophète Mohammed, tes communautés, ils sont plus fermes que mes gens. C'est à cause de notre fermeté que Allah nous a ouvert des bonnes actions. Petite action, tu as beaucoup de récompenses. Tu peux poser petite action comme ça, Allah te pardonne un péché. Parce qu'Allah, c'est que nous sommes tellement faibles. Faibles. Il y a droit quand tu fais ça, tu es l'homme des paradis. Tout ça là parce qu'Allah sait que nous sommes faibles. On coule les canines. Et c'est tout au niveau des femmes. Au niveau des femmes. Femme que tu vois là, fais très attention. Fais très attention. Vous faites très très attention à la femme. Qu'Allah nous donne le moyen, qu'Allah nous soit wa ta'ala nous parle encore. Non, Imam. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعهد الله لا تأكلوا أموالكم بينكم. Ne vous faites pas bien détruire de l'autre entre vous dans les mensonges. Ne vous faites pas l'argent des autres dans les mensonges. Allah nous interdit ça. Allah dit il a en tant que tijarata, sauf si vous êtes dans les commerces. Quel commerce? En droit de l'unique commerce que vous êtes tombé d'accord entre vous, vendeur et acheteur. Je vends 500, il a payé 500, je t'ai donné 100 francs, va y payer, t'as la dimanche. Ton argent revient à moi, mon marchandise pas chez toi. Là, c'est halal. Mais tromper quelqu'un de bouffer son argent, c'est interdit. Imam Ibn Kassar dit, Yalhallahu tabarak wa ta'ala ibad al-mu'mini. Allah interdit ses serviteurs croyants. En ya'akulu amwa la baynahum ba'dan bil batil. Faut pas que les autres aient l'air, nos autres vont bouffer l'autre, l'argent des autres dans les mensonges. Il a dit, bin anwa il makasib alati gayra shari'a. De les amener dans les certaines affaires qui ne sont pas recommandées. Car Anoua et Riba, comme l'argent de Riba, ou le Kima, comme Tiercé. Tout ça là, c'est pour bouffer l'argent dans les quoi? Mensonges. Après quelque chose qui le sent comme ça. Faut pas tromper ton frère pour bouffer son argent. Parce que tu as été à l'école, tu sais écrire, tu sais faire, tu sais photocopier. Yom al Kiyama, tout ça là, ça ne peut pas t'aider. Là, tu as un coup à moi, là, pour me payer, pour me battre. Ne vous pouvez pas. Même verset dans les sortes, Bakar aussi. C'est venu ici dans les sortes, il dit ça. Allah dit ne vous faites pas l'argent des autres dans les mensonges. Et là, en Takuna, sauf dans les commerces, en travail du commerce que vous êtes d'accord entre vous. Voilà, Taka toujours en fait ça. Allah dit ne vous suscitez pas. Ça, c'est comme ça. Voilà, Takutunu, Afusakou. Ne vous tue pas entre vous. Ne vous tue pas entre vous.
faut pas te suicider, c'est interdit. Toi-même, de prendre le poison ou le couteau ou le col, de te suicider, c'est haram. Toute personne qui s'est suicidée, c'est l'enfer. Et c'est comme ça, il ne faut pas tuer quelqu'un aussi. Il ne faut pas tuer quelqu'un. C'est interdit. Le prophète a dit, celui qui s'est suicidé, avec les choses que tu s'est suicidé, on va amener égal comme ça dans l'enfer. Ça devient le châtiment pour toi à chaque moment. Oui. Un jour dans la guerre, il y a un jeune qui faisait des forts vraiment. Il combattait. C'est un musulman. Les sahabas même s'étonnent de son courage. Ils ont dit à Rasoul, regardez le monsieur là, comment il est courageux. Il est allé les ennemis en train de battre. Quand le prophète l'a observé, Dieu a montré le prophète a dit, il est dans l'enfer. C'est l'homme de l'enfer. Quand le prophète aussi parle, les sahabas là, c'est fini. Imaginez quelqu'un qui combat à côté de l'islam, on dit il va partir l'enfer. Les sahaba, ils attendent à la clôture. Il est en train de combattre comme ça, après, on l'a blessé. Gravement, il a eu des blessures graves. Comme il sentait douleur, il n'a pas pu résister. Il a pris son lance qu'avec lui, il a mis à terre comme ça. Il s'est rabaissé, il s'est piqué le ventre. Il s'est suicidé. Le Sahaba, il sort de la parachute, le prophète a dit la vérité. Bon, maintenant, quelqu'un qui s'est suicidé, on dit il est l'homme de l'enfer. Est-ce qu'il va rester dans l'enfer à Madame? Imaginez un musulman qui prie, quelque chose qui est venu s'est suicidé. Parce qu'on a dit, on va aller à l'enfer, ça, il n'y a pas d'autre. Mais vous savez, Hadith nous a montré que le musulman, il va aller à la paix, mais il ne reste pas dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'il y a des temps qui va passer, mais son là, il a appelé une sauver. Mais toute personne qui s'est suivie l'homme de l'enfer. Mais il va passer combien? Parce que dans l'enfer, Yom El Qiyamah chez Allah, un jour c'est 1000 ans. Et si on a dit quelqu'un qui va faire 1 an dans l'enfer, ça fait combien d'années? C'est comment? C'est à cause de ça, quand Dieu nous préserve contre l'enfer. C'est à cause de ça, là, il dit, ne vous suscitez pas. Voilà, takutunu, en vous sakou. Inna Allah, lui, Allah, qu'elle est comme envers vous, Allah, il est envers vous, Rahim, le très miséricordieux. Voilà pourquoi Allah dit, il ne faut pas vous suicider. Quel soit dans le problème que l'homme il est, il ne faut pas te suicider. Tout le problème qui t'arrive, ça c'est le signe de non-musulman. Mais un musulman, il sait qu'il n'a pas aussi, il sera. Chaque difficulté, il y a la facilité. C'est comme ça. Car le pardon. Il a dit. Allah dit, celui qui a fait comme ça, au douane, il a fait ça avec quoi? Au douane, parce qu'il est rancunier avec l'autre, ou soit au zulman, ou soit il a fait ça sur l'injustice, Allah dit, passons au fond de souris, il n'a pas. On va lui conduire dans l'enfer, car il nous préserve. Allah dit, Yom al-Kiyama, de juger d'amener quelqu'un à l'enfer, ça c'est petit travail au niveau de lui, Allah. Car il nous pardonne. إن تجتنبوا كبائر ما تنحون أن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا